Mélanie Janard, bonjour. Salut. Comment ça va? Comment ça se passe ton salon jusqu'ici? Ça va super bien. D'abord, quand j'ai su que j'étais invitée au Salon du livre de cette île, j'ai été vraiment surprise, vraiment contente, parce que disons que c'est quand même rare que tu sors un premier recueil de poésie puis qu'on t'invite dans un salon qui est super éloigné de chez moi. Là. Moi, j'habite à Montréal, donc j'ai pris l'avion pour m'en venir ici. Oui, j'étais bien contente, puis ça se passe bien. Les gens sont intéressés, les gens sont vraiment gentils. L'équipe de bénévoles, c'est juste fou l'accueil qu'on a ici. Je suis bien contente. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est très agréable à voir. La poésie, on n'en retrouve pas beaucoup souvent dans les salons du livre. Non. Ça ne fait pas exception ici. Mm-hmm. C'est d'autant plus agréable pour vous, j'imagine, d'être là et de pouvoir parler de poésie durant la fin de semaine. Oui, mais c'est un peu ironique parce que... Des fois, je ressens que j'ai de la misère à parler de poésie, tu sais, comme les gens s'approchent puis me demandent « c'est quoi mon livre? » Mais c'est difficile à expliquer un peu parce que c'est pas comme, je peux pas te raconter l'histoire de mon livre. Tu sais, la poésie, ben c'est un livre avec des images, puis c'est ça, il y a pas un début, un milieu, puis un punch à la fin. Il y a un titre à ce recueil, en tout cas, ouais. C'est « Calamine ». Explique-nous ce que c'est, la calamine. La calamine, c'est une pâte rose qu'on mettait sur nos blessures ou sur nos piqûres d'insectes, surtout quand on était jeune. Là, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on fait encore tant que ça aujourd'hui. C'est un peu un genre de remède de grand-mère. Puis moi, c'est quand même quelque chose qui m'a marqué. T'sais, j'aimais ça d'en mettre quasiment pour le fun sur mes piqûres d'insectes. Il y a une référence dans mon recueil à la calamine. À un moment donné, le personnage dit qu'elle va plonger dans un bassin de calamine. Puis, ça m'a pris vraiment du temps avant de trouver le titre. On était presque rendu à la fin du processus d'édition. Puis, j'étais comme « Ah, j'ai pas de titre! » Puis, ça m'angoissait. Puis, à un moment donné, j'ai relu mon recueil. Puis, j'ai fait comme « OK, calamine, j'aime le mot. J'aime... » comment ça sonne, puis ça décrit vraiment bien qu'est-ce que c'est mon livre, parce que la calamine, j'ai l'impression qu'on sait pas trop si c'est placebo. C'est quelque chose que tu mets pour apaiser tes blessures, parce qu'on va parler quand même beaucoup d'angoisse, ouais. De blessures. Il y a quelque chose d'assez rough là, dans mon recueil, mais c'est cute, c'est rose. Moi, je l'ai trouvé vraiment rough, ton recueil. OK, je suis contente que tu me dises ça, parce que des fois, quand les gens me disent juste « Ah, c'était drôle », c'est correct, je comprends qu'il y a de l'humour là-dedans. J'ai tendance à faire ça aussi, des fois, peut-être pour cacher, pour, tu sais, comme système de défense. Comme de la calamine. C'est trop triste, ouais. Fait que je vais faire une petite joke, un petit rire nerveux. Mais moi aussi, je le trouve assez rough. Oui, il y a des images très triviales, évidemment. C'est de la prose, on est dans le quotidien. Mais il y a un mal de vivre, en fait, assez intense là-dedans. Je me demandais ton processus d'écriture. Est-ce que c'est un processus qui est vital ou c'est plus quelque chose qui va pouvoir te libérer ou te permettre de rester en équilibre dans un quotidien? De quelle manière tu écris, en fait? J'ai pas vraiment une routine d'écriture. Souvent, maintenant, j'écris quand j'ai un but. Si je suis invitée dans des soirées de poésie, si je suis invitée à une soirée, je vais écrire un texte. J'ai rarement relu des textes que j'avais déjà écrits, donc là, je vais produire quelque chose. Ce livre-là, en fait, c'est la première fois que je l'ai dit, mais la charpente de ce livre-là a déjà été publiée sur un blog avant. C'est vraiment des textes que j'ai retravaillés. Là. Il n'y a presque rien de tel quel. Sauf qu'il y avait une espèce de spontanéité. Puis ça fait quelques années aussi. Là. Ça date de... j'ai écrit ça entre 2005 puis 2012. 2008 puis 2012. Fait que j'avais aussi une naïveté que j'ai peut-être plus maintenant. Tu sais, j'avais pas d'amis dans le milieu littéraire. J'avais moins une pression littéraire. Fait que... c'était très spontané. Évidemment, je ne pense pas que j'aurais pu publier ce recueil-là sans le bagage littéraire que j'ai aujourd'hui. Mais il y avait quelque chose de spontané. Et oui, de peut-être, je l'écris parce que je le vis, c'est pas le fun, mais au moins, ça va donner quelque chose de beau à la fin.
J'espère. Très, très beau. Et d'ailleurs, le recueil se termine avec « Un jour, je ferai quelque chose d'émouvant ». Ouais. Cette impression, pendant tout le recueil, que, ben, on a l'impression que tu te sens vide, que tu ne te sens pas à ta place, que tu vas trébucher, que ce que tu fais n'a pas de sens, et que tu n'as pas l'impression, justement, que tu es en train d'écrire quelque chose d'émouvant. C'est quelque chose que tu ressens vraiment? Ben oui, c'est le syndrome de l'impostrice qui gère ma vie, malheureusement. Mais j'étais quand même très contente de ma finale, qui est aussi une référence au film « Mon ami Willy ». Mais quand Willy saute par-dessus... qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais c'est sûr, je trouve qu'il y a quand même une note d'espoir à la fin qui dit « Un jour, je vais faire quelque chose, mais... » Mais moi aussi, j'ai ce syndrome de l'imposteur et on se sent très, très proche de toi, évidemment, quand on lit ce texte-là. Ben, ouais. Merci. Je suis contente que ça puisse rejoindre des gens puis rejoindre un public très varié. Je veux dire, si toi, tu me dis que ça t'a rejoint, mais j'ai autant des filles de 14 ans qui vont me dire que ça les a rejoints. Voilà. Parlons-en, parce que, bon, tu es ce qu'on appelle une booktubeuse. On va peut-être expliquer ce que c'est pour les gens qui ne sont pas ton public cible. Mais c'est ton premier recueil. Par contre, tu écris depuis très longtemps. Tu es booktubeuse, donc tu es aussi critique littéraire, d'une certaine manière, blogueuse. Comment ça a commencé, tout ça, ce travail derrière la caméra où tu vas raconter, comme à des amis, les lectures que tu fais, partager un petit peu tes coups de cœur littéraires ou des livres, des mauvais livres que tu as lus? En fait, j'ai toujours un petit peu fait ça, tu sais, m'impliquer dans le milieu littéraire. J'écrivais pour des journaux étudiants, j'avais des blogs à moi, des petits blogs WordPress, j'en ai eu je sais plus combien, je lâchais le projet. J'avais collaboré aux blogs des autres, des plus gros projets littéraires, à des émissions de radio aussi. Donc, ça a toujours fait partie de ma vie de m'impliquer dans ce milieu-là puis d'avoir besoin de partager mes lectures avec les autres. Sauf que là, ça faisait peut-être 10 ans que je faisais ça, puis à un moment donné, je me suis dit « OK, j'aimerais ça avoir mon projet à moi. T'sais, j'ai presque 30 ans, là, je peux-tu gérer mon propre projet? » Puis si ça foire, ben c'est de ma faute. Puis si ça a du succès, ben c'est grâce à moi. Puis c'est juste moi qui en profite. Puis là, je me suis demandé qu'est-ce que je fais, un portail, un blog. Mais j'avais envie de m'adresser peut-être aux gens un petit peu plus jeunes que moi, aux ados, en leur présentant des lectures que moi je lis qui ne sont pas nécessairement de la littérature jeunesse. Et là, YouTube, il y a 2 ans, a un peu explosé au Québec. C'était quand même déjà assez présent ailleurs, mais au Québec, ça a un peu explosé. Puis j'ai fait comme « OK, ce que je veux rejoindre, c'est exactement sur YouTube qu'il faut le faire. » Puis il faut croire que cette journée-là où j'ai catché ça, j'étais sur un genre de high. Puis je me suis dit « Je me lance une chaîne YouTube. » Mais moi, j'ai toujours haï ça me voir, j'ai toujours haï ça m'entendre parler. Fait que là, je me suis dit « OK, il faut pas que je choque parce que demain, je vais te choquer, c'est sûr. » Fait que j'ai comme annoncé à tout le monde que j'allais lancer ce projet-là. Tu as réussi à créer une communauté de gens, de jeunes. Est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir réussi à... Oui, vas-y. De jeunes, pas tant que ça, finalement. D'accord. C'était ça mon but au départ, mais je dirais que ma grande tranche d'âge qui me suit, la plus nombreuse, c'est peut-être 25-35, mais ça va vraiment de 11 ans à 60 ans et plus. C'est super large, la tranche d'âge que je rejoins sur YouTube puis sur Instagram aussi, où je suis très active dans les stories. Oui, voilà, de plus en plus. Hein, tu es en train de passer de YouTube à Instagram, en fait. Oui, bien, c'est pas tant de passer. C'est juste qu'à Instagram, il y a quelque chose de vraiment plus instantané qui me demande pas de préparation. Tu sais, moi, des fois, je me réveille, je suis dans mon lit, puis je suis comme « Yo, Insta, je vous dis qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai fait ça ce matin à l'hôtel. Je m'en vais à une entrevue. » C'est ça. Et donc, si on va sur ton compte Instagram, Mel Jadar, on peut vraiment suivre au quotidien ton expérience du Salon du livre de la Côte-Nord. C'est très intéressant. Ouais. Moi, je regarde ça depuis 2 jours. Puis, je suis en train de prendre du matériel aussi sur ma vraie caméra pour faire un vlog. Ça, c'est un nouveau type de vidéo que j'ai inclus sur ma chaîne, qui est un peu plus « Suivez-moi dans ma vie ». Ça fait un petit peu télé-réalité. Au début, j'étais comme pas sûre de ce type de vidéo-là. J'aimais pas tant ça en regarder chez les autres parce que je me disais, bon, je m'en fous de la sorte de céréales que tu manges le matin, mais finalement, c'est vraiment le fun à faire, puis je me suis rendu compte que les gens aimaient ça.
Est-ce qu'il y a une communauté donc, qui t'est fidèle et qui te suit et qui prend tes recommandations, peut-être discute avec toi, interagit avec toi? D'abord, je sais que ça va la gêner, mais Anne-Sophie qui est là devant, ça, c'est une de mes premières abonnées. Puis qui est à Sept-Îles, qui habite à Sept-Îles. Fait que là, je veux dire, on se rend compte, en vrai, c'est quand même fou. Puis oui, j'ai une gang de fidèles qui me suit sur Instagram parce qu'on peut répondre aux vidéos que je fais instantanément. Puis je discute avec plusieurs personnes. Il y a deux semaines à Québec, j'ai rencontré Simon Boulris. Je veux dire, on se croise de temps en temps, mais il me serre dans ses bras puis il dit... Mais j'ai l'impression que tu es déjà mon ami parce que je te vois chaque jour. Je te vois dans des moments tellement intimes. Donc, ça rapproche vraiment des gens. Ouais. Revenons à la littérature, parce qu'on pourrait croire que la littérature serait pas forcément portée par ce genre de plateforme-là. Ou en tout cas, on aurait tendance à le croire dans les gros clichés qu'on a, que les jeunes ne lisent pas puis préfèrent autre chose que de la littérature, que de la poésie. C'est faux. Je pensais au début que tu voulais aborder la question, est-ce que la littérature embarque là-dedans? Oui, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans ta démarche? Est-ce qu'ils trouvent que ça a de la crédibilité, qu'est-ce que je fais? Ah non. C'est quand même intéressant de ce côté-là, parce que j'ai l'impression aussi que le milieu littéraire est peut-être pas tant web encore. On se demande comment faire pour faire passer la littérature dans ces nouvelles technologies, dans ces nouveaux réseaux, dans ces nouvelles plateformes-là. Et on dirait que toi, tu as compris comment ça fonctionnait ou comment on pouvait le faire, comment on pouvait justement parler de littérature dans ces réseaux-là que la littérature au Québec n'a pas encore du tout introduit. De plus en plus, il y a une explosion. Si on regarde sur Instagram, j'ai jamais vu autant de livres sur Instagram. J'ai des amis qui sont des petits éditeurs puis qui me disaient ça, nos ventes, ça n'a aucun sens cette année, là, comment ça a explosé. Puis je leur dis en semi-joke, c'est à cause d'Instagram. Puis je sais pas s'ils me croient, mais c'est vrai, je les vois passer leurs livres, les éditions de l'Écrou, par exemple, qui est une petite maison de poésie, justement. Il y a un buzz là, autour de la poésie. Il y a comme un genre de renouveau présentement, une nouvelle scène un peu plus jeune. On est sur les réseaux sociaux. Le fait d'être déjà une personnalité publique d'une certaine manière avant d'écrire ton recueil, est-ce que ça venait, ou avant de le publier, je vais dire plutôt, est-ce que ça venait avec une certaine pression ou tu fais vraiment une séparation entre ce que tu fais sur Instagram, sur YouTube et ton travail d'écrivaine? Oui, moi, c'est quand même quelque chose que je tenais à séparer parce que, tu sais, je veux pas... Mais là, ça, c'est encore, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais je veux pas que les gens pensent que j'ai parti ma chaîne YouTube pour faire de l'autopromotion de mes projets parce que c'est tellement pas ça. C'est juste deux choses séparées, ma critique puis mon livre. J'écris, ça fait 10 ans, puis je fais de la critique, ça fait 10 ans, mais c'est vraiment deux choses séparées. Puis, tu sais... Jamais, je peux pas dire jamais parce que là, je fais des vlogs. C'est sûr que quand je suis au Salon du livre, je dis qu'est-ce que je suis en train de faire. Les gens savent que c'est à cause de mon livre. Quand j'ai signé mon contrat, je l'ai dit, « Hey, je viens de signer un contrat », puis les gens étaient comme avec moi dans ce processus-là. Mais sur YouTube, je commencerai pas à parler de mon propre recueil. C'est vraiment deux choses différentes. En même temps, si j'étais pas sur les réseaux sociaux... Je serais probablement pas invitée ici aujourd'hui parce que j'ai juste sorti un recueil de poésie. Là. C'est pas comme ça que je veux le dire, mais c'est... Ouais. Puis c'est vrai que, moi, j'ai lu ce recueil avec la Mélanie Janard que je connaissais de YouTube ou des réseaux sociaux. Donc, on peut pas vraiment séparer les deux au final. Ouais, c'est ça. T'entendais ma voix. Oui. Puis il y a des gens qui m'ont dit, justement, qu'ils me connaissaient juste sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, même pas sur Instagram. C'est juste sur YouTube, une vidéo un petit peu stagée qui m'a dit « Aïe, je m'attendais pas à ça ». Là, ça m'a vraiment écorché parce que t'as tellement l'air joyeuse dans tes vidéos. Ouais, mais c'est sûr que je les fais pas. Je fais pas mes vidéos les journées que ça file moins. Ouais, ça, c'est la question que je voulais te poser, justement. Comment elle réagit, ta communauté ou les gens qui te suivent? Parce que t'es quelqu'un de très drôle. La manière dont tu présentes la littérature est souvent
de, je dis pas léger, là, mais on sort des carcans de la critique traditionnelle. Donc, les gens te voient comme quelqu'un qui aime la vie, qui aime lire, et puis qui tombe sur Calamine, qui lit ça. Ils ont apprécié ton livre, j'imagine? Ben oui. Mais de quelle manière les retours de ces gens-là, ça a été quoi? Ben en fait, là, il y a encore une nuance de réseaux sociaux parce ouais. que les gens qui me suivent sur Instagram savent que ça va pas tout le temps bien. Sur Instagram, je suis vraiment dans le quotidien, donc ils voient mes mood swings, ils me connaissent là, comme mes amis. Mais la réception a été bonne, puis j'avais l'impression que c'était pas tout le temps des gens qui avaient déjà lu de la poésie, mais comme c'est de la prose... Je sais pas, je pense qu'il y a quelque chose de plus accessible, là, whatever that means, dans mon recueil. Puis bon, peut-être que les gens qui n'ont pas aimé ça me l'ont juste pas dit, mais j'ai eu vraiment, vraiment des bons commentaires. On va peut-être prendre les questions du public dans quelques instants, mais avant ça, tes projets pour la suite, est-ce que tu continues à écrire? Est-ce qu'un deuxième recueil va... Est-ce que tu veux tester d'autres modes littéraires aussi? Et au niveau de ce que tu fais sur Internet et sur les réseaux sociaux, où est-ce que tu veux aller pousser ça, mettons, dans 2, 3, 5, 10 ans? Double question. Par rapport à l'écriture, j'ai comme plein de petits projets en tête, mais j'ai pas un projet fixe. Ben, quoique là, je travaille sur un truc jeunesse qui est complètement autre. Il n'y a rien d'officiel encore, mais c'est là-dessus que je travaille. Puis j'ai comme l'impression que je veux pas me limiter. « Ah, j'ai sorti un recueil de poésie, il faut que je reste en poésie. » T'sais. J'ai juste envie d'essayer toutes sortes d'affaires. Je veux pas me limiter. Ouais, ben en fait, quand on dit que c'est de la poésie, c'est de la prose, c'est des petits moments. C'est ouais. très libre hein, comme manière d'écrire. Donc, on sent pas que tu te limites à la poésie, même avec ce recueil-là. Non, c'est ça. Puis hier, à l'émission de radio, on demandait Bonjour la Côte. On avait posé comme question qu'est-ce qu'on souhaite pour la littérature d'aujourd'hui? Ben. Moi, j'aurais voulu dire qu'on continue sur cette voie-là parce que j'ai l'impression qu'on se limite moins à toujours vouloir se mettre dans une case. Toi, tu fais de la poésie. Ah, toi, tu fais du roman. Je pensais que c'était plus un récit, tu sais, qu'on arrête juste de toujours vouloir catégoriser qu'est-ce qu'on fait puis qu'on écrive. That's it. Puis par rapport à mes réseaux sociaux, je me mets pas d'objectif clair parce que je m'en étais mis un petit peu au début puis je voyais que ça me stressait plus qu'autre chose. T'sais, je voulais publier une vidéo par semaine. C'est long faire une vidéo, donc je n'y arrivais pas. Puis je vais juste continuer comme ça va puis j'espère que ça va toujours de mieux en mieux aller. On te le souhaite. Je ne sais pas si des gens dans le public avaient des questions pour Mélanie Janard par rapport à son recueil, mais aussi par rapport à son travail. Je ne sais pas si tu avais envie, par exemple, de parler de la manière dont tu as rencontré Mélanie Janard. Je ne sais pas. Oui! Oui, ce serait intéressant de voir aussi, parce que c'est une première rencontre. Tu peux t'approcher? Non, ben, tu peux te mettre là, oui, voilà. C'est ça, c'est une belle rencontre. Et c'est vrai qu'à cette île, on est loin. Sur la Côte-Nord, on est loin. Là, moi, j'ai habité à Natashquan pendant 10 ans, pas d'Internet. Quand Internet est arrivé, j'ai l'impression que, ben, on se rapprochait de Québec, de Montréal, de Paris, de Londres, de New York et qu'on pouvait enfin parler avec des gens qui sont loin. Explique-nous la manière dont tu as découvert... Comment tu as découvert Mélanie Janard? Et d'abord, quel est ton nom? Ben, je ne m'en rappelle plus. Je m'appelle Anne-Sophie. Oui? Je vis à cette île. Et... moi, j'avais commencé à faire des vidéos aussi. OK. BookTube. Puis, tu sais, j'ai commencé, puis je trouvais ça le fun. Tu sais, il y a plein de monde au Québec qui le faisait, puis je trouvais ça, ouais. Moi aussi, je veux faire ça. Mais c'était pas vraiment pour moi, là, mais j'ai essayé. J'ai fait une dizaine de vidéos. Puis, à un moment donné, c'est Mélanie qui m'a. Oui, on dirait que je m'en rappelais plus. Mais j'avais l'impression que Anne-Sophie, tu avais suivi ma page Facebook avant ma chaîne, non? Je sais pas. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment au début. Là. Oui, j'ai l'impression qu'elle a commenté une de mes vidéos, puis avant de lancer son projet un peu. Puis là, je me suis intéressée à une nouvelle booktubeuse, fait que là, j'ai commencé à la suivre. Puis, qu'est-ce qui te plaît dans le travail de Mélanie, dans ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qui t'interpelle? Qu'est-ce qui t'a interpellé au début? Ben, Mélanie, c'est comme. C'était du frais un peu, là. Ouais. Mélanie, elle est comme extravagante un peu, je sais pas comment dire, là. Puis,
Puis, est-ce que c'est les choix littéraires qu'elle fait ou la manière dont elle raconte ce qu'elle les lit? Les deux. Ouais. Parce qu'elle est très... c'est ça, je ne sais pas comment le dire, elle est très... c'est un peu une explosion, Mélanie. Un peu d'artifice. Ouais. Tu as lu Calamine, j'imagine, ouais. Hein? Tu as retrouvé la Mélanie Jenner que tu connaissais. T'essayais de la retrouver ou pas? Ben, j'ai pas essayé. Je l'ai retrouvée, c'est sûr. Là. Ouais. Donc, t'as pas été surprise? Non. Ben oui, c'est sûr que je la connais pas. Ben, de savoir qu'en plus de savoir bien parler de littérature, elle sait bien écrire aussi. Mais c'est ça. Anne-Sophie, tu me suis sur Instagram aussi, comme sur tous mes réseaux sociaux, même Twitter, on n'en a pas parlé, mais... J'ai comme une autre approche à Twitter. Twitter, je fais presque de la poésie directement sur Twitter, puis c'est assez déprimant aussi des fois. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question pour Mélanie? Merci Anne-Sophie, en tout cas. Merci. Pour, c'est très intéressant. Je pensais pas qu'on allait se retrouver sur scène à cette île. Allô, je te reconnais, c'est de l'école Gamache. Parce que je fais aussi ça, on n'en a pas parlé, mais je fais des ateliers de plus en plus dans les écoles à propos de YouTube et de la littérature. Tu sais, je trouve un moyen de combiner les deux parce que YouTube, ça fascine plusieurs personnes. Donc, souvent, les professeurs vont faire des vidéos aux jeunes plutôt que de faire un exposé oral. Donc, ils récupèrent le côté pédagogique de ton travail. Ouais. Puis là, moi, je suis arrivée à Sept-Îles et avec la gang de Sept-Îles, j'avais déjà fait plusieurs animations sur Skype de chez moi. Puis là, je les voyais en vrai. Puis tu sais, je rentre dans la classe, puis c'est comme « Hey, salut Mel! » C'est vraiment comme s'ils me connaissaient déjà. C'est vraiment cool. C'est ça que ça fait les réseaux sociaux. On a l'impression de connaître des gens. Des fois, on connaît très bien des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Puis il y avait une quinzaine de jeunes qui avaient acheté Anna Caritas de Patrick Isabelle parce qu'il avait vu ma vidéo. Puis j'étais comme « Yes! » Mélanie Jenner, on te souhaite un excellent séjour sur la Côte-Nord et un bon salon du livre merci ici. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Oui. Fier de faire rayonner notre communauté.